Très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus à ce nouveau numéro de votre émission Écho des partis politiques et associations. Une émission que nous décortiquons, nous cherchons à connaître beaucoup, un peu plus sur l'organisation des partis politiques et puis sur les actualités de l'heure. On a un grand honneur aujourd'hui de recevoir sur notre plateau le président Fioundo de Boni, le président du parti Orange, à qui je dis bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez présent? Très bien, par la grâce de Dieu ça va. Ok, l'émission est bilingue, mais présent d'abord, comment se porte le parti Orange? Le parti politique Orange se porte très bien. Il est vrai qu'après les élections 2018, quand le chef de l'État a gagné les élections, nous étions entrés dans un travail profond d'implantation. Donc c'est ce travail qui fait qu'aujourd'hui, nous allons avoir la possibilité à travers le pays d'avoir suffisamment de personnes qui s'alignent, qui seront nos candidats au niveau de la députation nationale et provinciale. Vous comprenez? Donc le parti, va très bien, s'implante de plus en plus. Et nous avançons avec notre idéologie, notre façon de voir et de faire. On a du jour au jour les adhérents, donc ça va très bien. Ok, mais on dit que le parti n'est pas le plus vivant comme auparavant par rapport au régime de Joseph Kabila. On a vu le parti en action, avec les conférences, les meetings. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Non, il est le changement des régions, bien sûr. Voilà, il est vrai que le parti, c'est tout à fait normal. Hein, vous savez, à la prise du pouvoir du chef de l'État, donc nous nous sommes retrouvés avec lui. Donc les actions d'opposition, nous n'étions plus dans l'opposition. Donc nous étions dans, je peux dire, la majorité au pouvoir. Donc nous ne pouvons plus faire les mêmes actions que nous faisions hier. Nous étions beaucoup plus dans la stratégie pour consolider le travail du chef de l'État et de manière à ce que le peuple, les promesses que le chef a faites soient matérialisées au travers du travail qu'il est en train de faire. Ça c'est d'une part. Et d'autre part, il faudra qu'on puisse consolider notre travail d'implantation. L'implantation, ça ne demande pas de bruit, on n'a pas besoin de faire de bruit aux médias, de crier. Non, on a fait un travail de fond, nous avons formé nos militants, nos cadres, tout ça. Et c'est la chose la plus importante. Maintenant, nous sommes à une année électorale, nous allons faire la stratégie marketing, communicationnelle, comme il se doit, de manière à ce que nous rentrions présents sur terrain. Donc ce n'est pas que le parti a disparu, c'était une question de stratégie, de plan stratégique que nous avons mis en place. Ok, vous êtes à l'Union Sacrée. Comment voyez-vous d'abord la gestion du pays? Le regard sur la gestion, comment le pays est géré. C'est bien, vous étiez à l'opposition, mais là vous êtes au pouvoir, vous vous en réjouissez. Bon, les responsabilités sont énormes, les attentes sont importantes, la population attend beaucoup de choses. Et pour que ces choses soient matérialisées, il faut un travail de fond. Le travail, c'est pas seulement dans le plan à mettre en place ou dans la stratégie de matérialiser, c'est aussi dans l'exécution, c'est-à-dire les personnes qui devraient exécuter. Voilà pourquoi au sein du parti Orange, nous disons que le Congo n'a pas besoin seulement des hommes intelligents, mais il a besoin de gens qui ont une intelligence renouvelée. Parce qu'une personne intelligente ne suffit pas pour créer le développement d'une nation. Parce que son intelligence peut être utilisée pour mettre en place des plans de vol. Mais une personne qui a une intelligence renouvelée, cette personne a la capacité il défend les valeurs, il est attaché à des valeurs positives qui pourront faire avancer le pays. Donc, il faut qu'on se le dise, nous avons souffert dans le contexte qui est notre, d'un problème d'hommes, c'est-à-dire de personnes qui avaient eu l'opportunité de se distinguer autour du chef de l'État ou autour de... il y a eu des responsabilités à qui le chef de l'État a fait totalement confiance, mais n'ont pas rendu les retours de par leur intégrité personnelle. Ça, c'est un problème réel. Voilà pourquoi il y avait même toute une agence qui devait travailler sur le changement de mentalité. Parce que la question d'intégrité, la question de netteté, c'est une question réelle qui devra faire à ce que le pays aille de l'avant. Quand on n'a pas de personnes intègres, quand on n'a pas de personnes qui peuvent se sacrifier, qui réfléchissent aux solutions, même dans les conditions minimales, on a du mal à décoller. Mais face à cette situation, vous avez un chef de l'État qui a la détermination, qui a la volonté, qui met l'impulsion, qui pousse à ce que les choses avancent, mais il y a des trains
de part et d'autre. Mais la détermination est tellement importante qu'elle sera, elle est à mesure et elle est en train de faire pour rouler la roue dans le sens du développement et d'avancement de notre pays. Comment vous allez répondre à ce peuple-là? Vous avez dit que le chef de l'État a la volonté et tout, mais sur le plan physique, si on peut le dire, sur le plan social, le Congolais s'est dit déçu parce qu'on attendait beaucoup de président Félix Tshisekedi. C'est un problème de choix. Non, mais vous savez, c'est un processus en fait. Il est vrai que les attentes, comme je dis tout à l'heure, sont énormes. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas ignorer. Les fondements sont en train de se poser, les bases sont créées. Donc, nous étions dans une situation économique précaire et avec un budget faible. Aujourd'hui, il y a eu plus de 200-300% de l'accroissement de notre budget. C'est important, nous étions à 4-5 milliards, aujourd'hui on est à 15 milliards, c'est important. Mais le grand travail qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est une question de la redistribution justement de cet argent. Pour avoir le moyen, au niveau des fonctions publiques, des militaires et autres, chacun a, est en train de se réjouir de voir un changement concret parce que ce sont les gens qui travaillent. Alors, maintenant, ceux qui n'ont pas d'emploi ont du mal à bénéficier de ces retombées financières. Tout simplement parce qu'ils doivent être payés. Voilà pourquoi la création, dans la conception du chef de l'État, il a mis en place le projet de 145 territoires pour que justement chaque Congolais soit bénéficiaire des atouts et des intérêts du Congo dans son milieu fonctionnel. C'est-à-dire, au niveau du territoire, il va avoir l'emploi. Au niveau du territoire, il va avoir le développement économique local. Au niveau du territoire, il va avoir toutes les infrastructures possibles, les routes de desserte agricole, tout ça, à tous les niveaux, de manière à ce que les Congolais qui sont en Kouboko, les Congolais qui sont à Yumbi, Lukolela, Inongo, qui est je ne sais pas où, ces Congolais-là, à Bolobo, soient à mesure de trouver de l'emploi là-bas. Ces Congolais soient à mesure de se développer là-bas, sans nécessairement dire que je dois venir au Congo. Donc, les Congo aujourd'hui, nous avons eu un crétard de plusieurs années. Avant que nous puissions sortir du trou, il faut d'abord creuser ces trous. Le travail que le chef de l'État est en train de se faire, c'est de poser des bases. Des bases qui vont faire à ce que le développement du Congo soit définitif et réel. Et c'est ce qui est en train de se faire et c'est ce qui se fera. Il est vrai, la population a tout à fait normal de se plaindre parce que le panier de la ménagère, d'une manière concrète, il doit s'améliorer. Il doit avancer. N'oublions pas que nous avons eu 2 années de Covid où le monde était totalement bloqué. Donc, le contexte économique du monde était totalement compliqué. Mais nous ne nous sommes pas plaints. En Europe, il y a eu des produits qui ont quadruplé à cause de ces problèmes de Covid. Mais nous n'avons pas eu ce problème parce que, justement, le gouvernement a eu à mettre en place des stratégies appropriées pour que cela n'arrive pas. Les problèmes sont énormes, sont là. Mais la détermination, la volonté de changer est également là. Et je pense que par la grâce de Dieu, les années à venir, les choses vont complètement changer. Ok, on va évoluer. Parlons d'abord de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Hier, il y a eu des manifestations contre la force régionale. Comment décryptez-vous d'abord cette situation? Bon, ça, c'est une réaction normale. Vous savez que le Congo est dans une situation où il y a une... C'est comme le monde entier qui se bat contre le Congo. Parce que le Congo, aujourd'hui, se retrouve dans une situation, sa richesse, sa force, ses potentielles forces naturelles et autres font que tout le monde a un regard sur le Congo, tout le monde veut avoir. C'est-à-dire même tous ceux qui mettent en place le plan de sortie des crises, derrière ces plans, ils réfléchissent comment ils peuvent prendre également quelque chose. Donc, c'est une situation... très compliqué et très complexe sur lequel ok, allez-y. C'est pas possible. Bon, vous allez couper, hein? Oui, pas de problème, on va manger. Bonjour. Oui, allez-y, président. C'est une situation très compliquée. Donc stratégiquement, il faut des actions. La population a réagi. Je salue la réaction de la population parce que c'est une situation de ras-le-bol. C'est comme on est fatigué, donc on est fatigué, les choses doivent changer et la population a le droit de s'exprimer et de dire non. Et c'est ce que la population a fait. Moi, personnellement, je salue cette réaction de la population, mais ça a été correctement encadré par la police, par l'armée et le pouvoir politique également. Se sont soutenus, appuyés parce que la population est derrière le gouvernement, derrière le chef de l'État. Donc, je salue cette réaction de la population.
de Goma par rapport à... Mais la situation derrière le chef de l'État, mais c'est le chef de l'État qui fait appel à ses forces régionales. Mais le Congolais était déjà déçu depuis longtemps, ils n'ont pas voulu la présence. Non, le chef de l'État n'a pas fait appel. Le chef de l'État s'est plié ou a validé, accepté une proposition régionale, de manière à ce qu'on ne puisse pas l'accuser un jour. C'est lui qui est un obstacle aux solutions que la région propose. Maintenant, il est clairement établi que ce n'est pas lui d'abord qui est l'obstacle, et de deux, les intentions négatives viennent de tous bords. Donc même tous ceux qui prétendent soutenir, en réalité, ne sont pas avec les autres agendas cachés. Il est clairement établi. Mais s'il avait refusé à l'époque, on allait présenter les données d'une autre manière, que le président Tshisekedi, c'est lui qui est un obstacle à la solution proposée par la sous-région, et tout ça. Il a laissé, parce que c'est une personne qui analyse les choses dans les temps. Tout le monde aujourd'hui est exposé clairement devant l'opinion nationale et internationale pour comprendre que qui est qui fait quoi, qui se comporte de quelle manière. Donc c'était plutôt une attitude de responsabilité, de sagesse, de leadership managérial qui a fait que les choses soient de cette manière-là. Mais ce n'est pas une faiblesse parce qu'on dit que le président démontre aux faces du monde que nous sommes vraiment faibles. Il écoute tout à ses homologues, aux gens de l'IAC et tout. Au lieu de démontrer la force, on est toujours plié. Non, mais ce n'est pas une faiblesse. Madame, vous avez oublié que depuis plusieurs décennies, nous étions sous embargo militaire. Vous avez oublié ça. C'est l'action diplomatique et son action efficace. C'est comme le monde entier qui s'est battu contre le Congo. Parce que le Congo, aujourd'hui, se retrouve dans une situation, sa richesse, sa force, ce potentiel force naturelle, le fait que tout le monde a un regard sur ce Congo, tout le monde peut l'avoir. C'est-à-dire même tous ceux qui mettent en place le plan de sortir des crises, derrière ces plans, ils réfléchissent comment ils peuvent comprendre. Donc, c'est une situation très compliquée, très complexe, sur laquelle, donc stratégiquement, il faut des actions. La population a réagi. Je salue la réaction de la population parce que c'est une situation de ras-le-bol. On est fatigué, les choses doivent changer et la population a le droit de s'exprimer et de dire non. Et c'est ce que la population a fait, moi personnellement, je salue cette réaction de la population. Et ça a été directement encadré par la police parce que le pouvoir politique également se sont soutenus, appuyés, parce que la population est derrière le gouvernement, derrière le champ de l'État. Donc je salue cette réaction de la population. Mais la situation est derrière le chef de l'État, mais c'est le chef de l'État qui fait appel à ses forces régionales. Mais le Congolais était déjà déçu depuis longtemps, ils n'ont pas voulu leur présence. Non, le chef de l'État n'a pas fait appel. Le chef de l'État, c'est qu'il n'a pas accepté une proposition régionale de manière à ce qu'on ne puisse pas l'accuser un jour. C'est lui qui est un obstacle de solution que la région propose. Maintenant, il est clairement établi que ce n'est pas lui d'abord qui est obstacle, et de deux, les intentions négatives viennent de tout bord. Donc même tous ceux qui prétendent soutenir, en réalité, ne sont pas avec les gens de l'agenda caché. Il est clairement établi. Mais s'il avait refusé à l'époque, on allait présenter les données d'une autre manière, que le président Tshisekedi, c'est lui qui est l'obstacle à la solution proposée par la sous-région et tout ça. Il a laissé, parce que c'est une personne qui analyse les choses dans les temps. Tout le monde aujourd'hui est exposé clairement devant l'opinion nationale et internationale pour comprendre que qui est qui fait quoi, qui se comporte de quelle manière.
Donc c'était plutôt une attitude de responsabilité, de sagesse, de leadership managerial qui a pris pour les choses. Mais ce n'est pas une faiblesse parce qu'on dit que les présidents de montre ou face de montre, nous sommes vraiment faibles. Il écoute tout ses homologues, genre de l'UIAC et tout. On est de démontrer la force, on est toujours plié. Non, mais ce n'est pas une faiblesse. Madame, vous avez oublié que depuis plusieurs décennies, vous êtes sous un parti militaire. Vous avez oublié ça. C'est l'action diplomatique et son action efficace qui a fait aujourd'hui cette situation d'embargo soit arrivée. C'est-à-dire que nous avons commencé à faire une guerre. Une guerre sans avoir la possibilité de nous offrir des armes, de nous acheter des armes. Ce n'est pas facile. Face à un pays tampon, avec tous nos bâtons par des contrats, avec un petit pays qu'on peut écraser à tout le monde, ce sont des forces occultes cachées derrière ces pays qui ont des intérêts occultes, qui utilisent le mandat pour répondre, qui utilisent le mandat. Donc, il fallait que le chef de l'État, son action, conçoive un système qui va faire la sécurité. Pendant qu'on expose le Rwanda, et d'autre part, on puisse diplomatiquement voir de quelle manière manager, discuter avec toutes ces personnes qui sont attirées à le Rwanda, pour qu'il y ait des rapports directs avec ces personnes. Et si on prévoit de bénéficier ou d'avoir des engagements avec les Congo sur certaines exploitations minières ou de nos ressources naturelles, ça le fasse, direct, de manière à ce que ce soit de manière d'ailleurs. Donc, c'est une stratégie, une politique que le chef de l'État nous a donnée pour que nous ne serons pas à l'écart du débat. Le Congo a été isolé pendant plusieurs années. Le Congo a eu des difficultés pendant plusieurs années. Sur le plan international, nous étions nulle part. Mais aujourd'hui, nous sommes positionnés dans une situation assez importante. On n'a pas de décision, on ne sait pas si on peut dire s'opposer à quelque chose, c'est la faiblesse, c'est plutôt des leadership. Non, qui nous dit que le débat qui a commencé sur quel plan, sur le plan spéculatif, aujourd'hui, on voit le palier diplomatique. Le pape a été ici récemment, on voit le palier diplomatique. Tous les grands joueurs du monde sont à l'université. Donc, nous sommes le plus bas à faire le rôle. Sur le plan économique, aujourd'hui, le budget est passé de 4-5 milliards, 15 milliards d'euros. Et sur les plans social, il y a amélioration des conditions sociales, des enseignants, des fonctionnaires, tout ça. Et côté eau et énergie, aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, il y a un emplacement qui était en termes de la distribution du feu avec le niveau de la diverse enfin, en place vers le Cameroun là-bas, où le taux avait plus de 4-5 millions de dollars. Sur le plan social, avec la question de la traité, le taux de la traité de service qui est en train de se avec l'action de la traité, sur le plan infrastructurel, il y a une infrastructure de 32 jours de délai sur la traité de l'économie. Aujourd'hui, il y a pas mal de moyens de construire la plus grande donnée militaire pour la fiction, où le champ de l'État. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire par rapport à quelqu'un. La question, c'est moi, parce que quand on pose le sac, on va le préparer. Donc, il y a des actions concrètes. Et non, mais là, la question que chaque monde doit se résoudre dans ses grands travaux. C'est le programme de 145 millions qui va permettre la redistribution des revenus nationaux, soit bénéfique pour chaque problème. C'est ça, c'est la chose. Donc, on dit que c'est minime, ces réalisations, et que nous sommes déjà à la fin des commandants du chef de l'État. Et vous avez suivi le jeune chanter au stade des martyrs, que le président prit bagage, c'est déjà la fin du mandat. Ce n'est pas une façon de montrer qu'on aime plus le président bien. On s'est dit déçu de sa gestion. Vous avez dit, vous avez ajouté, vous n'avez pas dit au président de l'État, et vous avez dit, on dit qu'il y avait là le mandat déjà fini. Il ne s'est pas dit le mandat du chef de l'État pour gagner au début. Parce que lui, le mandat, les élections ne sont pas décembre.
peut penser que les 5 vont se réfugier. Il va dire que la population a demandé 5 nouvelles millions. Et vous savez quoi? Si on a accès que les gens qualifient d'un bilan négatif. Si vous avez constaté vous-même, c'est la population qui est en train de se faire. Mais à ce que vous savez, c'est une population qui n'est pas en train de se faire. Il y a des faiblesses, c'est vrai. Pour qu'on revienne chuter les temps, nous prêche, on revient sur le parti Orange. Comment préparer pour les élections avec d'abord ces processus, l'environnement, avec beaucoup de critiques et tout, mais les partis Orange, c'est pas tant de problèmes. Le parti Orange est en train de se préparer. Au niveau national, nous avons porté la compétition. 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 Notre discours, notre façon de faire, d'agir, convainc la population pour que nous ayons un niveau de bien, justement, comme c'est notre politique. Aujourd'hui, avant de faire la réélection, j'étais avec la réunion de notre capital, qui est un peu de notre pays, et de notre discours, la communauté, justement, pour dire que c'est un peu de bien. Et en fait, la France, hier, j'étais avec la réunion de la Djokho, Baba et Sud. Donc, nous nous préparons et nous serons prêts pour les prochaines élections et à comprendre les choses. Vous avez dit que le parti Orange ne bénéficie pas, vous étiez à l'opposition, non, vous n'êtes pas à la majorité comme d'autres partis et même le président Fillon aussi. Non, la politique que nous faisons, c'est une politique. Nous avons la vision de qu'on a besoin d'appliquer d'autres lois. Façon de faire pour l'institution. Et là, il y a le chef de l'État qui est la responsabilité. Et le parti Orange a un moyen, un jour, a une vision de la communauté. Cette vision-là, bien entendu, on partage ces idées, on est au système de l'éducation de la communauté. C'est que la partage du chef de l'État soit renforcée. Donc, si l'on fait la politique pour. Dans le souci, mettant les pouvoirs comme un objectif, on risque les valeurs. À partir du moment où le pouvoir pour nous, c'est un moyen pour nous permettre de matérialiser notre vision, l'objectif qui est le bien du pouvoir. Nous croyons, d'ailleurs, nous devons le temps fixé par le pays, nous allons être suffisamment forts et visibles et que nous allons faire notre propre travail. Est-ce que vous bénéficiez des bonnes choses et pas vous faire aussi? C'est pas une nouvelle chose. Nous avons appris par les citoyens, nous avons appris par les citoyens, je suis pas sûr que vous connaissez. J'ai été un consultant dans plusieurs familles, j'ai été cadre de direction pour participer à la vie qui est quelqu'un d'aujourd'hui. Je suis le général. Je suis en lien avec tous les autres. Donc, sur le plan de défense, et que ce soit de l'exercice, je veux des grandes négociations économiques stratégiques à travers le monde pour faire passer les choses, pour négocier, pour faire passer le projet. J'ai des grandes discussions avec les grands actionnaires. Donc, de ce côté, nous avons toutes les compétences pour la qualification de l'État pour que le bien. Bénéficie de cette réforme, de cette réforme que nous avons traversée le cas. Mais comme chaque chose à son temps. Donc, d'ailleurs,
nous allons faire ce qu'on va aider l'intégration de l'État. C'est aussi en opposition aujourd'hui, l'opposition et les gens qui s'appellent le résistement demandent de réformes, de mise en place, parce qu'on n'est pas sûr de la CENI, on n'est pas sûr de la constitutionnelle. Comment voyez-vous cette démarche, cette demande? En matière de forme de démocratie, chaque premier peut aussi nous donner cette prochaine partenaire. Les institutions de la République sont là, elles ne peuvent pas que c'est du système, donc chacun peut utiliser la procédure. Si elle est légale, elle est correcte, si elle n'est pas correcte, elle est déjà quelque chose. On ne peut pas empêcher que ce soit de réclamer ou de député ni de confier. Chacun est libre. Chacun est libre. Mais par là que toi tu parles de la chose, il y a d'autres également qui parlent de choses. Donc ce qui fait que l'État, quelque part, est neutre. J'ai un pouvoir, je vais avancer pour moi. Elle écoute les uns les autres pour le monde. Pour avoir de bonnes élections, on m'a dit un bon mot. Élections à plaisir, démocratie. Bon, on est visé à dans les processus électoraux. On est visé à dans les processus électoraux. Je pense que pour avoir les bonnes élections, et on a fait un correcteur, on a fait son travail avec le FEDES, le travail avance, donc le travail avance, et c'est bon, et l'Église a une grande responsabilité parce qu'il est parti prenant dans le processus. Du reste, le président de la CENI de l'Église, donc ça a un dernier mot à votre message, la situation militaire. À la population congolaise, c'est un message d'espoir que je vous donne. Il est vrai que la situation de tous les uns et les autres, bien que ce c'est l'œuvre de façon. Et il est important que le médecin participe, contribue à cette information. Parce que nous avons une obligation aujourd'hui, responsabilité aujourd'hui, pratique des nouveaux propos de notre pays. Que Dieu bénisse notre nation et que Dieu bénisse notre pays. Merci beaucoup, c'était le président Fulu Dondogoni, le président du Parti Orange, c'est le cadre aussi au sein de l'Alliance Afrique, parce que le Parti Orange fait partie aussi de l'Alliance Afrique. C'était donc un plaisir de le recevoir sur notre plateau. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, pour votre disponibilité à votre émission et pour les partis politiques, comme moi. Je dis également aussi merci à l'équipe technique de Réveil, pour m'adorer à la caméra, nous sommes ici. Alain Bassamba, Fia Lugela, à la réalisation de cette émission pour que cette émission vous parvienne sur vous. Merci également à ceux qui vont nous suivre sur YouTube de Peter Tieni. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.